Bon après-midi à tous. Good afternoon to everyone. Aujourd'hui, c'est une grande joie. Today is a great joy. Parce que le Seigneur nous a fait marcher tout au long de l'année et nous sommes presque à la fin. The Lord has worked with us throughout this year and we are reaching the end. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année. Today is the last Sunday of the year. Amen. Yeah, amen. Bien-aimé, c'est très important de glorifier le Seigneur. My beloved, it's so important to glorify the Lord. Regarde bien tout ce qui s'est passé dans ta vie. Realize everything is happening in your life. Dans ta famille. In your family. Peut-être tu étais malade. Maybe you were sick. Le Seigneur t'a épargné. The Lord spared you. Il t'a donné la guérison. He healed you. Pendant qu'il y a d'autres personnes. While other people. Qui n'étaient même pas malades. Who wasn't sick. Mais en ce moment où nous parlons, ils sont morts. But at this moment, they died. They passed away. Le Seigneur a fait de merveilles dans nos vies. God has done marvelous in our life. Voilà pourquoi nous devons lui être reconnaissants. That's why we need to be grateful toward him. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Glory to God. Nous venons de lire ces deux passages de l'Écriture. We just read those two scriptures qui sont presque similaires. Who are similar. Donc c'est presque le même passage. It's almost the same passage. Mais le premier passage était dans Michée chapitre 5. But the first passage was in Micah chapter 5. Le verset 1. Verse 2. Dans d'autres versions, c'est le verset 2. In some version is 1, other 2. Et dans Matthieu, c'est presque encore le même passage. In the book of Matthew, it's the same passage. Où on parle de l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Oh, they are talking about the story of the birth of Jesus Christ. N'oublie pas que nous sommes toujours dans notre thème les fils et filles assermentés. Don't forget we still in our title which is the son and daughter who are devoted. Nous disons qu'un homme assermenté. We are saying a man who is devoted. Est celui qui est entraîné ou poussé par un serment. Is the one who is pushed by a sermon. Les paroles sont très fortes dans nos vies. The word is so strong in our life. Tout ce que tu peux déclarer sous l'onction, sache que Dieu est présent. Everything you are going to declare under the anointing, you have to know God is there. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que le serment c'est une parole prononcée autour du sacré. We have said the sermon is a word pronounced before the sacred. Donc à chaque fois si tu considères autour de toi il y a un sacré, fais attention avec les paroles. Every time you consider around you there was a sacred, be careful with your word. Tu reçois des invités dans ta maison. You are receiving guests in your house. Vous commencez par la prière. You start by prayer. Faites attention à vos paroles. Be careful with your word. Parce que Dieu est présent. Because God is there. Tu es en train de parler avec ton frère, ta femme, ton mari. You are talking with your brother, your sister or your husband. Mais vous croyez que Dieu est là. You believe God is there. Faites attention avec vos paroles. Be careful with your word. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. God is marvelous. Il agit au travers sa parole. He's acting through his word. Et dans Michée, on nous parle d'une prophétie. And in the book of Micah, they are talking about a prophecy. Cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu. This prophecy came to pass in Matthew. Mais entre Michée, between Micah et Jésus-Christ, and Jesus Christ, il y avait un gap terrible. There was such a big gap. Alléluia. Amen. Michée a existé 700 ans avant Jésus-Christ. Micah existed 700 years before Jesus Christ. Qui a 80 ans ici? Who is 80 here? Mais Michée avait existé 700 ans avant Jésus. Jesus, Micah existed 700 years before Jesus Christ. Et un jour sous l'onction, il déclara une parole. And one day under the anointing, he declared a word. Il dit, et toi, Bethléem. But you, Bethlehem. Ephrata. Ephrata. Petite entre les milliers de Judas. Being small amongst the clan of Judah. De toi sortira pour moi celui qui dominera Israël. Out of you, one will come out to me who will be the ruler in Israel. Et dont les activités remontent aux temps anciens. And his activities from all time. Au jour de l'éternité. The day of eternity. C'était une prophétie compliquée. It was a complicated prophecy. Alléluia. Amen. À cette époque-là, at that time, le royaume de Juda était menacé par les Assyriens. The kingdom of Judah was menaced by Assyrians. C'est en ce moment-là que l'Éternel avait parlé au prophète Michée. In that moment, the Lord spoke to the prophet Micah. Michée signifie
signifie celui qui est semblable à Dieu. Mika means the one who looks like God. Je déclare dans ta vie que tu sois semblable à Dieu. I declare in your life you will be like God. Les Assyriens menaçaient Judas. Assyrians were fighting Judah. Et à cette époque-là, il y avait une séparation entre le royaume d'Israël et Judas. At that time there was a separation between the kingdom of Judah and the kingdom of Israel. Et c'était presque le même royaume après. But it was the same kingdom after. Mais à l'époque de Michée, but in the time of Micah, les Assyriens menaçaient vraiment Judas. The Assyrians were fighting Judah. And one day, Michée se leva et déclara une parole. Micah got up and he declared a word. Il ne savait même pas quand est-ce que cette parole allait s'accomplir. He didn't know when this word will come to pass. C'était une prophétie. It was a prophecy. Mais cette prophétie s'est accomplie plus de 700 ans après. But this prophecy came to pass 700 later. Non, Dieu est merveilleux. God is marvelous. Il ne ment jamais. He never lies. Ce qu'il t'a promis. What he promised you. Sache-le qu'il va l'accomplir. You have to know he will accomplish it. Il n'est pas un Dieu menteur. He's not a man to lie. Il est véridique. He's truth. Et derrière sa parole, il y a une puissance. And behind his word, there was a power. Il y a une puissance d'accomplissement. There was a power of accomplishment. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne pourrit jamais. The word of God doesn't rot. 700 ans, cette parole s'est accomplie. 700 years, this word come to pass. Bien-aimé, si tu vis sous pression maintenant, my beloved, if you are living under pressure tu now, as des problèmes par-ci, par-là. You have a lot of problems. Tu regardes, tu ne vois plus d'issue. You are looking around, you don't see any doors open. Mais si Dieu t'a dit un mot, but if God tells you a word, quelles que soient les pressions de la vie, no matter the pressure of the life, cette parole va s'accomplir. This word will come to pass. Tu sortiras vainqueur même de tes ennemis. You will come out victor, overcomer of your enemies. Pendant un long moment, during a long moment, les Assyriens menaçaient Israël. Assyrians were fighting Israel. Et quand on parle de la Syrie dans la Bible, when we are talking about Syria in the Bible, on voit deux pays actuels. We are seeing two countries actually. Quand on parle de la Syrie, on voit l'Irak et une partie de la Syrie. When we are talking about Syria, we are seeing Syria and Iraq. Je crois nous connaissons ces deux pays. Iraq. The totality of Iraq et une petite partie de la Syrie. And a small part of Syria. Je ne dis pas Assyrie, mais je dis Syrie. Not Assyrie, but Syrie. Alléluia. Amen. Donc ces deux pays-là, those two countries, forment la Syrie dont on parle ici. Form the Syria what we are talking about here. Et quand? And when? Le prophète Michée. The prophet Micah. Spoke about Bethlehem. Bethlehem était vraiment une petite ville de Juda. Bethlehem was a small town of Judah. Alléluia. Amen. Mais avant de continuer, j'aimerais bien donner le sous-thème. But before I continue, I would like to give the subtitle de cet après-midi. Of this afternoon. Je l'ai intitulé. I name it. Tu y as le sang du chef. You have the blood of the chief. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Can you tell your neighbor? Tu as le sang du chef. You have the blood of the chief. Je crois bien vous comprenez directement de ce chef dont je parle. I believe you are understanding which chief I'm talking about. Tu as le sang du chef. You have the blood of the chief. Tu marches avec ce sang là. You are walking with that blood. Alléluia. Amen. Et si aussi je peux dire. And I can say as well. Je dirais encore tu as le sang d'un chef. You have the blood of a chief. Mais mon sous-thème est tu as le sang du chef. But my subtitle is you have the blood of the chief. Mais tu as aussi le sang d'un chef. But you also have the blood of mais a chief. Mais pas n'importe quel chef. But not any chief. C'est le chef qu'on va parler ce matin. But we are going to talk about this chief. Le chef qui est au-dessus de tous les chefs. The chief who is above any chief. First of all, Bethlehem means house of bread. Et ici, dans la prophétie de Michée, here in the prophecy of Micah, on ajoute Bethlehem Ephrata. Bethlehem Ephrata. Et Bethlehem signifie maison du pain. Bethlehem means the house of bread. Et Ephrata
signifie lieu de la fécondité. Ephrata means the place of fertility. Thank you. Je déclare que tu sois fécond la I declare you will be fertile next year. C'est ça l'essentiel dans ta vie. This is the most important in your Parce life. Parce que Dieu a déposé des choses dans ta vie pour que tu sois fécond. God has put things in your life so you can be fertile. Tu dois produire de fruits. You have to bear fruits. Tu ne vas pas occuper la terre inutilement l'année qui commence. You won't be useless on earth Et next year. Et je parle surtout dans le domaine spirituel. I'm talking about in the spiritual plan. Tu dois être fécond. You have to be fertile. Ça, c'est le souhait de Dieu. That is the wish of God. Alléluia. Amen. Et Bethléem était une petite ville. And Bethlehem was a small town. Une ville qui n'était même pas considérée. A town which was not considered. Amen. Elle n'était pas une ville principale de Juda. It wasn't a main town of Judah. Vous savez, quand on parle d'une ville principale, when we are talking about a main town, c'est une ville qui a un pouvoir attractif. Is a town which has a power une which ville is attract. Qui peut attirer les gens. A town which attracts people. Bethlehem n'était pas. Bethlehem wasn't. Bethlehem wasn't attracting Il y avait people. Rien du bon en Bethlehem. There was nothing good in Bethlehem. Il y avait même pas de richesse en Bethlehem. There wasn't wealth in Bethlehem. Bethlehem était une ville pauvre. Bethlehem was a poor town. Mais c'est là que Dieu a choisi. There is where God chose. Pour que sa puissance soit manifestée. So his power can be manifested. Il a voulu utiliser cette petite ville qui était pauvre. He wanted to use this small town which was poor. Peut-être que tu te minimises. Laisse-moi te dire que Dieu te voit. Maybe you underestimate yourself. Let me tell you, God Et has seen Dieu you. T'a vu, il fera de grandes choses. God has seen you and you will do great things. Même si tu n'as pas l'apparence d'attirer les gens. Even you don't have the appearance to attract people. Tu n'as pas ce qu'on dit l'aspect. You don't have the aspect, the charisma. Tu n'as pas l'aspect. You don't have the charisma. Mais laisse-moi te dire que tu as la puissance de Let Dieu. Let me tell you, you have the power of God. Et Dieu a choisi. And God has chosen. Une ville principale. A main town. C'est une ville qui a une forte. Is a town which is overcrowded. Il y a beaucoup de gens. There was a lot of people. Et c'est une ville très importante. Is a town which is important. Mais Bethléem n'était pas une ville qui avait beaucoup de. But Bethlehem wasn't a town which was crowded. La population de Bethlehem était petite. The population of Bethlehem Il was so small. De gens. There wasn't a lot of people. Mais c'est là que Dieu a choisi, il a dit. But is where God chose and he said. Bethlehem. Petite ville parmi les milliers. Being small amongst the clan of Judah. Et Judah, de toi. Out of you. Sortira. Will come out. Chef. A ruler. Un chef devait sortir en Bethléem. A chief has to come out from Bethlehem. Pendant que les habitants de Bethlehem. While the citizens of Bethlehem. Ne savaient même pas. They didn't know. Ils se minimisaient. They were underestimating themselves. Ils se disaient nous n'avons pas des gens pour nous soutenir. We don't have people to support us. Même si tu n'as pas quelqu'un pour te soutenir. Even though you don't have someone to support you, I'm telling you this afternoon. God is your support. Le véritable soutien, c'est The Dieu. True support is God. Les hommes peuvent te soutenir. Men can support you. Mais si Dieu ne te soutient pas, if God doesn't support you, rien de bon ne va sortir. Nothing good will come out. Dieu était le soutien de Bethléem. God was the supporter of Bethlehem. Bethlehem ne donnait pas l'air d'une ville prospère. Bethlehem didn't look like a prosperous town. C'est comme ça que Dieu agit. Is the way God acts. Tu peux entrer dans une église, tu vois que non, ici il y a rien. You enter in the church, you say tu peux regarder nothing here. Quelqu'un, tu dis il y a rien. You look someone, you said there's nothing. Mais Dieu agit dans le secret de cette personne là. But God acts in the secret of that person. Dieu commence par le fondement. God starts with the foundation. Nous savons comment une maison est bâtie. We know how a house is built. Il y a eu un fondement. There was a foundation. Et dans ce fondement là, in that foundation, quand il est construit, when it's built, personne ne peut réaliser. No one can realize. Pendant la construction du fondement, while they were constructing the que foundation, cette maison sera
une grande maison. This house gonna be a tall house. Souvent les gens ignorent la fondation. Many people ignore the foundation. Oh, c'est la fondation qui est vraiment capitale. It's the foundation which is capital. Une maison est soutenue par la fondation. A house is supported by foundation. Et Dieu commençait déjà à placer son fondement. God started to put his foundation. Dans cette ville. In that city. À l'époque de Michée. In the time of Micah. Aujourd'hui on te voit. Today they are seeing you. Mais quel air que tu as maintenant? Why you look like? Quel aspect? What aspect do you have? Alléluia. Amen. L'aspect que tu donnes. The aspect you are giving. Les gens ne réalisent pas. Maybe people they don't realize. Mais Dieu est en action. But God is acting. Dieu est en œuvre. God is working. Dieu est en œuvre dans ta vie. God is working in your Il life. Il est en œuvre dans cette église. He's working in his church. Nous verrons des choses que nous n'avons jamais vues. We are going to see things we have never seen before. The year which is going to nous start. Nous verrons la gloire de Dieu. We will see the glory of God. Pendant que maintenant, why now, on ne voit presque rien. We are no, we are almost dans ce que seeing tu nothing fais, in toi what you are doing. Tu ne réalises pas. But yourself, you don't realize. Il y a un ombrage de la grandeur de Dieu. There was a shadow of the greatness of God. Dans ce que tu fais. In what you are doing. Il y a un ombrage. There was a shadow. Ceux-là qui ont les yeux spirituels peuvent voir. Those who have a spiritual eyes, they can see. Ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. What God is doing in your life. Alléluia. Amen. Dieu parle 700 ans. God plus spoke de 700 ans. 700 before. Et cette parole s'est accomplie après. And this word came to pass after. En ce moment. And this moment. Tu dois comprendre. You have to understand. Pendant combien d'années? For how many years? Tu dois toujours continuer à vivre dans l'ignorance. You are living in ignorance. Bethléem avait reçu la prophétie. Bethlehem received the prophecy. Mais but c'était une ville qui vivait dans l'ignorance. It was a town which was living in ignorance. They didn't understand. When we are talking about Bethlehem, we are talking about the citizens of Bethlehem. Parce que Dieu peut parler de la ville de Leeds. God can speak about the town of Leeds. Mais il vise plus ses habitants. But he's targeting his citizens. Dieu peut parler de ta belle maison. But God can speak about your beautiful house. Mais il vise beaucoup les gens qui sont dans cette maison. He's targeting the people who are living in this house. Combien de fois nous vivons dans l'ignorance? How many times are we living in ignorance? Dieu nous a parlé, nous avons reçu des promesses. God has spoken to us, we have received promises. Mais nous ne savons pas vraiment. We don't know actually. Associer nos promesses avec nos vies. Associate our promises with our life. La promesse divine. The divine promises. Doit être au même diapason avec la vie actuelle. Has to be in the same level with your la current life. La personne qui reçoit la promesse de Dieu. The person who receives the promise of God. Est appelé à marcher selon le norme de celui qui a fait la promesse. Is called up to walk according to the standard of the one who Dieu made the promise. A parlé. God has spoken. Oui, tu crois cette yes, prophétie. You believe in that prophecy. Mais qu'est-ce que tu fais? But what are you doing? Pour que cette prophétie s'accomplisse. For this prophecy to come to pass. Tu dois savoir qu'il y a la part de Dieu, you have il y a to know aussi there ta is part. The part of God, there was the part of a man as well. Si Dieu te parle, if God has spoken to you, il veut que tu puisses. He wants you to s'élever et fournir des efforts. To stand up and to make some efforts. J'aime beaucoup cette parole qui dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. I love this word which says get closer to God and we get closer to you. Le Seigneur a dit vous qui êtes chargés et fatigués, venez, je vous donnerai du repos. He said people who are tired or carrying burden, come to me, I will give you rest. Pendant que Dieu dit des choses dans when ta God vie, is say, he's saying things in your life. Qu'est-ce que tu fais comme réponse? Why answer are you giving? Comment tu réponds à l'appel de Dieu? How are you answering to the calling of God? Les gens de Bethléem, the people of Bethlehem, ne comprenaient pas. They didn't understand. De cette ville sortira. This city will come out. Un chef. A chief. Mais quand? But when? Et surtout quand la promesse tarde. Hein? Especially when the prophecy takes les time. Les gens deviennent désespérés. People become hopeless. Ils ne croient plus. They don't believe. À ce que Dieu dit. What God said. Si la promesse tarde, attends seulement. If the promise takes long, wait sois for it. Sois toujours dans la présence de Dieu. Be always in the presence of God. Et dans cette même ville. In that same city.
C'était aussi la ville où le roi David était né. It's the town where the king David was born. Dieu s'est arrangé les choses. Il n'y a pas de hasard dans ta vie. There was no chance in your life. Alléluia. Amen. David a vécu avant Michée. David lived before Micah. Et David était roi de Israël. David was the king of Israel. Il était né à Bethléem. He was born in Bethlehem. Malgré la naissance de David. Despite the birth of David. Les gens de Bethléem continuaient à minimiser leur vie. They were minimizing their life. Ils disaient malgré la naissance de notre de roi David. Despite the birth of our king David. Nous sommes qu'une petite ville. We're still a small town. Rien ne peut sortir. Nothing can come out. Donc, en d'autres termes, in another way, David n'était pas l'homme que les Israélites attendaient. Wasn't the man the Israel were waiting Israel for. Attendait un véritable roi. Israel was waiting for a true king. Israel attendait un véritable chef. He was waiting for a true chief. Et pendant tout ce temps, during those moments, Israel ne savait pas. Israel didn't know. Pendant qu'il marchait, when they were walking, il ne savait pas. They didn't know. Il avait le sang de ce chef. They had the blood of that chief. Il marchait avec le sang de cet they were walking chef, le with the blood and the, of the true of God. But they were ignorant. Because they didn't see anything. Même si tu ne vois rien, my beloved, even if you don't see anything, you have to know. Tu as le sang du chef. You have the blood of the chief. Tu marches avec ce sang-là. You are walking with that blood. Alleluia. Amen. J'aime beaucoup les bakongo dit menga makinfu. Le sang du chef. The blood of the chief. Alléluia. Amen. Donc les gens de Bethléem, the people of Bethlehem, devraient être fiers. They should have been proud. Parce que dans leur veine, because in their coulait le sang du chef. Well, ils avaient la semence du chef. They had the seed of the chief. Partout ils devraient passer. Everywhere they went through. Ils devraient être fiers. They had to be proud. Aujourd'hui les chrétiens, but today Christians, se lassent facilement. They get tired easily. Ils ne comprennent pas. They don't understand. Qu'ils vivent avec le sang du chef. They are living with the blood of the chief. Alléluia. Amen. Malgré la naissance de David en despite Bethlehem, the birth of David in Bethlehem, Israël disait, but Israel was saying, nous ne sommes rien. We are nothing. Surtout les Assyriens là. Especially Assyrians. S'ils viennent, if they come, ils vont nous détruire facilement. They're gonna destroy us easily. Parce que nous n'avons pas l'arsenal approprié. We don't have the arsenal. Nous n'avons pas des armes appropriées pour combattre l'Assyrie. We don't have weapon to fight Assyria. Ils sont plus forts que nous. They are stronger than us. Let me tell you. Que l'année qui commence enlève le complexe. The year which is starting, remove complex. Enlève. Take away et complex. Puis n'envie pas les autres. And do not envy people. Tu as quelque chose de particulier you en toi. You have something particular in you. Qu'aucune personne ne peut avoir. Nothing, no one can tu have. Tu as une bénédiction particulière. You have a special blessing. Enlève l'ignorance. Remove ignorance. Dans la connaissance. Your strength is in the ce que Dieu a déposé en toi. What God has put in you. Si tu connais, if you know, tu es fort, you are strong, et tu vas vaincre, and you are going to overcome. Tu vas vaincre tes ennemis. You are going to overcome your enemies. Le problème est que les chrétiens ne se connaissent pas. The issue is the Christians, they don't ils know themselves. Ils ne connaissent pas leurs identités. They don't know their identity. Voilà pourquoi ils se lancent facilement dans les compromissions. That's why they are easily to compromise. Alléluia. Amen. Cette année soit ferme. But this year be strong. Dieu est avec toi. God is with you. 2021. Dieu sera avec toi. God will be with you. Si toi tu veux être avec lui. If you want to work with him. Si tu veux être avec lui. If you want to be with him. Tu verras de grandes choses. You will see great things. Bethlehem, Bethlehem c'est sous-estimé. We are underestimating themselves. Combien de fois? How many times? Dieu. God t'a montré des signes, has shown you mais signs. Tu continues toujours à vivre dans l'ignorance. But you are still living in ignorance. David était né à Bethlehem. David was born in Bethlehem. Vous imaginez, can dans you la Bible, imagine quand vous lisez, when you are reading the Bible? Quelle a été la grandeur de David? What was the greatness of David? Chez les Juifs. To the Jewish. Et cet homme David. And that man David. La Bible appelle même Christ le fils de David. The Bible calls Jesus the son et of David. David était né à Bethlehem.
Bethlehem. And David was born in Bethlehem. Donc normalement cette ville devrait être fière. Therefore this city si should tu es Jésus-Christ, tu es un homme heureux. If you are Jesus Christ, you are a happy man. Tu n'es pas n'importe qui. You are not anyone else. Tu es appelé à vivre dans l'excellence. You are called up to live in excellence. Et selon la prophétie, according to the prophecy de Michée, of Micah, le chef qui allait naître, the chief who will be born, won't be like other chief. Chef différent. A different chief. Dans le verset seulement, ce verset-là, on dit ceci. In that verse, they say, il avait une origine qui remontait au temps ancien. He had a, donc ce chef, that chief, avait un passé, had a past, and a non-past. Un passé inconnu. And a past known. Une origine compliquée. A complicated origin. Et c'est ce que le prophète Michée dit, ce chef-là. That is the prophet Michée. Qui sortira de cette ville? Will come out of this city. A une origine qui remonte aux temps anciens. He had an origin which was years ago. Au jour de l'éternité. The day of eternity. Quand on parle de l'éternité, on ne voit pas le début et la fin. When we are talking about eternity, we are not seeing the beginning and the end. Donc on ne sait même pas quand est-ce que ce pouvoir-là a commencé. We don't know when this power started. Et quand est-ce qu'il finira? When this power will finish. C'est ça le pouvoir de notre Dieu. That is the power of our quand God. Quand il commence avec toi. When it starts with you. Des fois, beaucoup de gens ne connaissent même pas. Maybe many people they don't know. Le jour où ils ont rencontré le Seigneur. The day they met the Lord. Le jour où le Seigneur a commencé à opérer dans leur vie. The day the Lord started to work in their life. Quand la Bible dit, when the Bible says, avant que nous puissions être formés dans le ventre de nos mères, il nous connaissait. Before we were in the womb of our mother, he knew us. Est-ce que tu peux décrire vraiment quand est-ce que la puissance de Dieu a commencé dans ta vie? Can you describe when the power of God started in your life? Alléluia. Amen. C'est difficile. It is difficult. Et c'est le pouvoir de notre Dieu. This is the power of our God. Le pouvoir de ce chef là. The power of that chief. Donc il a un pouvoir qui n'a ni commencement ni fin. He has a power which doesn't have a beginning and a end. Un pouvoir difficile à expliquer. And an unexplainable power. Et c'est cette prophétie qui le dit. And this prophecy is saying that que ce chef, this chief, a des origines qui remontent aux temps anciens. Ancient times. Et dans ma version, on dit même que in my version, they says ses activités, his activities. Donc Dieu est en activité pendant que nous n'avons pas même pas la connaissance. God is an activity when we don't have the knowledge. Pendant que toi tu es ici, l'Éternel est en activité. When you are here, the Lord is in activity. Pendant que tu dis que tu n'as pas encore d'enfant. When you are saying I don't have a children. Tu n'es pas encore marié. I'm not married yet. Dieu est en activité. God is in activity. Amen. Est-ce que tu réalises ça? Can you imagine? Pendant that? Que nous ne sommes pas encore entrés dans la nouvelle année. When you are not reaching yet in 2021. Dieu what? Est déjà en activité pour cette nouvelle année. Oh, God is working for this new year for us. Amen. When you are saying I don't have work, Dieu est en activité. God is in activity. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle du vrai chef. This is the rule of et a ce chef chief. Là est dans notre sang. And that chief is in our blood. Tu as le sang du chef en toi. You have the blood. You have the blood of the chief in le you. Le sang de ce chef là circule dans nos veines. And the blood of this chief. Quelle fierté. Which pride. Alléluia. Amen. Et la Bible continue à dire. And the Bible is saying que ce chef, that chief, gouvernera avec la force de l'Éternel, le chapitre verset 3. It will reign with the power of the Lord. C'était une prophétie, les gens ne comprenaient pas. It was a prophecy, but people didn't understand. Mais quand elle s'était accomplie, but when it came to pass, ils ont compris. They understood. Que Dieu ne ment jamais. God never lies. Laisse-moi te dire dans ta vie que Dieu ne ment jamais. Let me tell you, God never lies in your life. Il va accomplir. He will accomplish. Opérer de grandes choses. He will do great things. Alléluia. Amen. Et toi, Bethlehem. And you, Bethlehem. Tu te minimises pourquoi? Why are you minimizing yourself? De toi seul.
sortira un chef. Out of you will come out et a ruler. Ce passage qui dit de toi sortira un chef. And this passage which says out of you will come out a ruler. Et dans Matthieu chapitre 2. Is in also in the book of Matthew chapter 2. Pendant que Hérode cherchait. When Herod was looking for. Il voulait avoir des informations. He wanted to have some information. Du roi qui était né. The king who was born. Alors il est allé consulter les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les scribes. He went to consult the priest and the scribes. Ces gens avaient juste l'information. Those men just had the information. Mais ils n'avaient pas la révélation. But they didn't have the revelation. You can have the information. Mais cette information n'est pas la révélation. But this information is not the revelation. Ce qui est très important. What is so important? Ce qui donne la vie. What is giving c'est life? C'est la révélation et non les informations. Is the revelation and not the information. Alléluia. Amen. Les scribes et les principaux sacrificateurs. The scribe and the priest avaient les informations. They had information. C'est beaucoup. They were reading a lot. Et quand Hérode était venu, when Herod came, pour les consulter, to consult them, ils sont allés se documenter. They went to read. Bien aimé. My beloved. Tout. Everything. J'ai dit tout. Everything. Et dans cette parole. Is in it is in this ta world. Vie. Your life. Est ici. Is here. Ton progrès est ici. Your progress is here. C'est un livre très complexe. Is a complex book. Dans ce livre, tu peux trouver le bonheur. In this book, you can find happiness. Tu trouveras la solution à tous tes problèmes. You will find the solution to all your problems. Pendant que les scribes, while the scribes, et les principaux sacrificateurs, and the main priests, sont allés consulter les écritures. They want to read the scriptures. Ils ont remarqué. They noticed. Que dans les écritures, in the scripture, on dit que le roi, the king, le chef, the chief, sortira, will come out de cette petite ville of this small city, Bethlehem. Amen. C'est aussi important de lire. It's so important to read. Ta vie, your life, it is here. N'aime pas toujours que les gens lisent. Don't like people to read for you. N'aime pas toujours que le prédicateur lise. Don't like the preacher to read for you. Toi-même, tu dois méditer la parole. Yourself, you need to meditate the word of God. Dans cette parole, il y a la vie. In this word, there is life. La Bible est constituée de plusieurs prophéties. The Bible has a lot of prophecy. Pour nous donner la vie. For giving us life. Pour nous donner la force. For giving us strength. La puissance. The power. But those people, les principaux sacrificateurs, the main priest, avaient juste l'information. They just had the information. Ils ne voulaient pas vraiment entrer en profondeur. But they didn't want to go deeper. C'est lui qui entre en profondeur des écritures. The one who is going deeper in the scripture. Mène une vie de sainteté. Live a holy il life. Mène une vie d'obéissance à l'Éternel. He had an obedient life to voilà the pourquoi Lord. Aujourd'hui nous voyons des églises qui sont remplies. That's why nowadays we are seeing church les gens full of viennent people. Dans les églises. People are coming to church. Mais ils ne sont pas obéissants à la parole de Dieu. They are not obedient to the word of God. Ce qui fera ta force l'année qui commence. What is making your strength the ou l'année qui va commencer. The year which is going to start. Quand tu obéiras à la parole de when Dieu. When you will obey to the word of tu God. Tu obéiras aux ordres de l'Éternel. You will obey to the order of the Lord. Alléluia. Amen. Dans ce passage, in this passage, on nous dit et toi Bethléem terre de Juda. And you Bethlehem, Matthieu chapitre 2. Matthew chapter 2 verse 6. But you Bethlehem, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. You are not the least among the rulers of Judah. C'est une certitude que tu n'es pas le moindre. It's a certitude you are not the least. Je te dis que c'est une certitude. It is a certitude. Amen. Tu n'es pas le moindre. You are not the least in your family. Tu n'es pas le moindre de la société. You are not the least in the society. Quelqu'un me disait non. Someone was saying to me. L'intégration dans ce pays. You need to integrate yourself mais in this country. Mais quand vous lisez ce mot intégration. But when you are reading this word to integrate, it means a lot of things. Même si tu ne parles pas bien. Even though you are not speaking very well. Mais sois utile dans la société. But be useful in the society. Même si tu as un travail. Even if you are qui work. Qui ne semble pas vraiment être un bon. Which not seem a good sois work. Sois seulement utile dans la société. But be useful for the society. Et
tu verras. And you will c'est see. Ça l'intégration. This is integration. Être utile. Being useful. Beaucoup de gens minimisent ou se minimisent. Many people they minimize themselves or they minimize. Et ils ne sont pas intégrés. And they are not integrated. Ils se voient comme s'ils sont délaissés. They are seen like they are rejected. Ils se disent nous sommes africains. We are African. Laisse-moi te dire. Let me tell que you. Tu n'es pas africain. You are not an African. L'Africain là c'est juste un nom. African is just a word. Mais tu y as le sang du chef. But you have the blood of the chief within you. Marche avec ce sang. You are walking with that blood. Vous savez, le sang n'a pas de couleur, n'a qu'une seule couleur. The blood only have one color. C'est la couleur rouge. It's the color red. C'est juste l'extérieur qui donne un peu la différence. It's just the outside mais which le sang qui circule dans ton corps. The blood which is in your c'est la même couleur qui circule dans l'autre. Is the same color of the blood which nous, is in the other. Nous avons le sang de l'agneau. We have the blood tu as le sang du chef. You have the blood of the chief. Et Bethléem. And Bethlehem. Ne comprenez pas qu'il avait lavé le sang du chef. They didn't understand they had the blood of the véritable chef. Of the true chief. Vous savez, c'est lui qui il a compris. The one who understands. Qu'il marche avec le sang de l'agneau. Le sang du chef. He's walking with the blood of the chief. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? What's happening in his life? Quand tu as le sang du chef. When you have the blood of the chief within you. Tu marches. You are walking. Et que quelqu'un d'autre qui vient pour attaquer. And someone else comes to attack you. Ce sang là va réagir. This blood gonna react. Vous vous souvenez de l'histoire de Paul? You remember the story of Paul? Yes, sir. Paul était mordu par une vipère. He was bitten by a viper. Une vipère dangereuse. A dangerous viper. Et le venin de cette vipère était mortel. And the venom of this viper was mortal. Mais ce serpent là, but that snake, a mordu. Beat Paul. 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 Quelques minutes après. After. Au lieu que Paul meure, c'est ce serpent qui était mort. After some hours, or instead of tout Paul dying, that snake died. All your enemy will attack you. C'est eux qui vont mourir. They will die. Toi, tu resteras. You will live. Parce que s'ils veulent. If they want. Détruire les tes entrailles. They want to destroy. Laisse-moi te dire que dans tes entrailles, il y a le sang de l'agneau. In you, there was the blood of the lamb. Il y a le sang de Jésus qui circule. There was the blood of Jesus which is in you. Quand ils viendront pour te mordre, when they will come to beat you, ils vont prendre le venin dangereux qui est dans ton sang. They will take the venom which is dangerous in your blood, and they will die. La vipère, the viper, qui devrait tuer Paul, who should have killed Paul, c'est elle-même qui était morte. The viper died. Parce que le sang qui circulait dans le corps de Paul. Because the blood which was in Paul était le sang du chef. Was the blood of the chief. Alleluia. Amen. Le sang du chef circulait. The blood of the chief was inside him. Circule en toi. When the blood of the chief circulated in you. When a man dies, il y a arrêt de la circulation du sang. The blood doesn't circulate anymore. Yeah. Alléluia. Amen. Moi, j'ai assisté comment on fait l'autopsie par le bien l'embaumement, embaumer quelqu'un. I was there when on est en train d'introduire des injections et le sang ne coule pas. They are putting injection and the blood didn't circulate. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus la vie. Because there wasn't life anymore. Souvenez-vous, dans la Bible, on dit que la vie c'est dans le sang. I remember in the Bible, the life is in the blood. Et pas n'importe quel sang, le sang du chef. And not any blood, the blood of. C'est le sang du chef véritable qui nous donne la vie. It's the blood of the true chief which gives us life. Tu as le sang du chef en toi. You have the blood of the chief. Tu dois être en activité. You need to be in activity. Parce que les activités, because activities, de ce chef là remontent aux temps anciens. Because the activity of that chief, avant que toi tu existes, before you were even born, il y a des choses que tu veux penser. There are things you are going lui, to think about. Il a déjà pensé pour toi. He thought about it before. Il a déjà opéré pour toi. He did it for you. Il a déjà planifié des choses pour ta vie. He planified things for your life. Alléluia. Amen. Il avait déjà planifié tout pour Bethléem. He planified everything for Bethlehem. Bethlehem, but Bethlehem didn't know. Vivait dans les
They were living in ignorance. They were saying to themselves, but me, rien ne peut sortir. Nothing can come out. Moi, out of rien me, ne peut se faire. Nothing can happen. La gloire de Dieu, non. The glory of God, us. Et le Seigneur, le Dieu merveilleux, va utiliser d'autres villes. The marvelous God gonna use other cities. Les principales villes de Juda. The main cities of Judah. Mais pas moi. But not me. Dieu cherche toujours. God seeks, always seeks. Là où le monde minimise. Where the world minimizes. Là où le monde néglige. Where the world neglects. C'est là que l'Éternel opérera. Is where the Lord will operate. Dans le domaine auquel tu négliges. The domain you are neglecting. C'est le domaine auquel Dieu va agir. Is the domain where God will act. Vous savez pourquoi? You know why? Parce qu'il n'aime pas partager sa gloire avec un autre. He doesn't like to share his glory with anyone. J'aime beaucoup dire. I like saying. Les hommes ont. Men have. Donné au Seigneur pendant qu'il vivait. Ils ont fait quoi? Ici sur. Ont donné des choses. They give to the Lord things when he was alive. Ils ont offert. They gave him. Ils ont béni Jésus. They blessed Jesus. Pendant que Jésus était dans la chair. When Jesus was in flesh. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? You know what happened? Il était monté avec. Le bien des personnes. He went up with the good of anyone. Aucune personne. No one. Ne pouvait frapper la poitrine. He could beat his chest. Le Seigneur est allé au trône. The Lord went to his throne. Avec mes biens. With my goods. Vous savez pourquoi? You know why? Un jour. One day. Joseph. Joseph. Quand Jésus était mort, nous le savons. When Joseph died, when Jesus died. Beaux habits, de beaux draps. He bought gold clothes, pour good shape, le corps du Seigneur. To envelop the body of the Lord. Et quand le Seigneur était monté, when the Lord went le up, jour de sa résurrection, the day of his resurrection, dans la tombe, in the grave, les disciples trouvèrent ces habits-là. The disciples found that clothes. Et quand Jésus était apparu à ses disciples, when Jesus appeared to his le disciples, jour où il montait, the day he was went up. New clothes. New clothes. De nouveaux habits. Amen. Hallelujah. Amen. Dieu n'aime pas partager sa gloire. God doesn't like to share his glory with anyone. Voilà pourquoi. That is why. Tu comptes à quelque chose. You are relying on tu something. Mets tout tes espoirs. You are putting all your trust there. Tu seras déçu. You will be disappointed. You will be opposed. Tu seras déçu. You will be disappointed. Cette année. This year. Ne place pas ta totale confiance. Don't place your all trust. Aux choses que tu fais. In things you are doing. Aux hommes. In men. Qui t'entourent. Who surrounding place you, plus ta confiance en Dieu. But more trust the Lord. Amen. C'est cette confiance là. Is that trust que nous avons en Jésus Christ? We have in Jesus Christ. Qui fait que nos sang? That makes our blood. Qui fait que nos veines? Our vein. Soit vraiment en activité. Be in activity. Change seulement l'atmosphère de ta spiritualité. Change the atmosphere of your spirituality. La personne qui vit. The person who lives. Sous la puissance du sang de Jésus. Under the power of the blood of Jesus. La personne qui a le sang du chef. The person who has the blood of the chief. Est toujours vivante. Is always living. Quand elle marche. When he walks or she walks. Elle s'accroche aux choses spirituelles. He attaches himself to the spiritual things. Cette année. This year. Pense aux choses spirituelles. Think about spiritual things. Tu verras ta vie changer. You will see your life changing. Tu verras la transformation. You will see a transformation in your life. Alléluia. Amen. Ma prière. My prayer. Que l'année qui commence. The year which is going to start. Que ça soit vraiment une année pour toi. It will be a year for you. Où tu vas expérimenter la puissance de Dieu. You will experiment the power of God. Nous sommes appelés à expérimenter la puissance de Dieu. We are called up to experiment the power of God. Maisons, in our house. Dans nos affaires. In our business. Dans nos santé. In our health. Bien-aimé. My beloved. Le monde. The world. Planifie des mauvaises choses contre nous. They are planning bad things against us. Mais ceux-là qui vivent, but those who are going to live sont ceux qui ont le sang du chef. They are people who have the blood of the chief. Parce que because même si even though y a des attaques, there was attack, mais au-dedans de toi, within you, ce sang circule et te donne la vie. This blood circulates and giving you life. Quand ce sang circule, when this blood is circulating, il te régénère, is strengthening tu you. Tu es restauré. You are restored. Même si y avait des problèmes, even if there are problems, dans tes entrailles, within you, le sang du chef va les laver. The blood of the chief gonna wash it. Le sang du chef appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. The blood of the chief called things doesn't exist to existence. Il répare. He repairs. Tout ce qui était endommagé.
Everything was damaged. Le sang du chef. The blood of the chief is powerful. Alléluia. Amen. Ma prière est que my prayer is soit vraiment vivant dedans de toi. This blood has to be living, alive within you. Comme l'apôtre Paul dit. As Apostle Paul said. J'aime beaucoup ce passage. I love this scripture. Quand vous lisez Galates chapitre 4. When you are reading the book of Galatians chapter 4. Mes enfants, pour qui j'approuve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Parole du Seigneur. Amen. 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 C'est l'apôtre Paul qui parle aux Galates. Apostle Paul is speaking to the Galatians. Il dit, mes enfants, my little children, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, of whom I am again in travail until Messiah is formed in you. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Till Messiah Jesus is formed in you. Le mot Christ signifie le oint. The word Christ means the anointed, the Messiah. Pour que le Messie soit formé en toi. For the Messiah to be formed in you. Il faut des douleurs d'enfantement. There will be pregnancy pour pain. Pour qu'un enfant soit formé dans le ventre de sa mère. For a children to be formed in the womb of his mom. Celles-ci sont des choses. This mom, she feels things. Elles sont la douleur. She's feeling pain. Elles sont beaucoup de choses au-dedans d'elle. She's feeling a lot of things within her. Et pendant ce temps, and during this time, l'enfant se forme. The children is forming. Et quand l'apôtre Paul parlait aux Galates, when the apostle Paul was speaking to the Galatians, il leur disait que vous devrez être des gens assidus, fermes. You have to be strong people, firm people. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. For the glory of God to be manifested. Pour que Christ soit formé en vous. So Christ can be formed in you. Ici on ne parle pas de Jésus. We are not talking about Jesus. On parle de Christ. We are talking about Christ. Le Messie. The Messiah. Le oint. The anointed. Il faut que le oint soit formé en toi. The anointed has to be formed in you. Il faut que tu puisses avoir le sang de ce oint en toi. You need to have the blood of this anointed in you. Il faut que la vie de Dieu, the life of God, soit en toi. Be in you. C'est alors que cette vie va produire des choses. So this life gonna bear fruit. Et les gens verront. And people will see. Tant que ce sang-là ne fait rien. As long as this blood is not doing anything. Donc, tu fermes des portes pour que l'action de Dieu soit manifestée. You are closing doors so the action of God won't be manifested. Les gens ne verront rien. People won't see anything. Et Dieu en toi. Of God in you. C'est comme Bethléem. It's like Bethlehem. Pendant qu'elle faisait tout, elle ne pensait pas, elle était ignorante. When Bethlehem was ignorant. La gloire de Dieu ne pouvait jamais se. The glory of God couldn't be manifested. Et gloire soit rendue à the glory to God. Dieu a utilisé des hommes. God used men. Dieu a utilisé Marie. God used Mary. Et vous savez Marie. You know Mary. Elle était une brave femme. She was a brave woman. Alléluia. Amen. Une femme, une petite fille. A small woman. Qui était vierge et who was virgin. Après, and she was married after. Elle a eu sa grossesse, sa première grossesse. She had her pregnancy. Elle a without any wise woman, elle-même, herself. Alléluia. Amen. Des fois, il y a certaines choses. Hein? Tu demandes trop de conseils aux gens. Sometimes you are asking so many advices to people. Ces gens feront que tu es désorienté. Those people gonna mislead you. Il faut choisir même les hommes pour qu'ils puissent venir t'aider. You need to choose people so they can help you. Certaines personnes quand ils viennent. There are certain people when they come. Pour t'aider, sache qu'ils s'attendent à quelque chose. You need to expect something. Ils seront payés. They will be paid. Ils visent au salaire. They were lying on their toi, tu ne vas salary. Pas les payer, even though you are not paying them, en toi, in you, il y a beaucoup de choses de valeur. There was a lot of value things. Visent. They are targeting. Voilà pourquoi ils s'accrochent à toi. That's why they are sticking themselves to you. Alléluia. Amen. Ce jour-là, that day, cette dame, that woman, comme le sang du chef circulait en elle, the blood of the chief was circulating in her. In her, seule. She gave birth alone. Alléluia. Amen. Peut-être parler de son mari. Maybe the help of her husband. Mais la Bible ne le dit pas. But the Bible doesn't say that. Parce que cette femme, because that woman, en elle, within her, y avait le sang du chef. There was the blood of the chief, circulait. Which circulated. L'impossible peut devenir possible. The impossible can be possible. Tant que le sang du chef circule en toi, as long as the blood of the chief circulates in you, the impossible will be possible. Que ce
ce sang soit vraiment vif. This blood has to be living. Que ce sang circule. This blood has to circulate. La personne qui a un sang qui circule. The person who has a blood which circulates. The person is active. Is alive. This year, you have to be active. Réchauffe ton sang. Which, warm your blood. Dans la prière. In prayer. Réchauffe ton sang. Warm your blood. Réchauffe le sang du chef qui est en toi. Warm the blood of the chief which dans is in la you. Prière. In prayer. Dans les activités. In activities of church. Sois fervent. Be faithful. Et tu verras. And you shall see. La gloire de Dieu. The glory of the Lord. Ce couple Joseph et Marie était un couple puissant. This couple Joseph and Mary was a powerful couple. En fait, quand on dit que l'enfant Jésus devrait être né à Bethléem, when they are saying the child Jesus has to be born in Bethlehem, il est de la lignée des gens de Bethléem. Is the race of people of Bethlehem. C'est à cause de Joseph. Because of Joseph. C'est Joseph qui est de la lignée du roi David. Or Joseph was in the race of the king David. Tu peux être aussi adopté. You can be adopted. Parce que Jésus nous a adoptés. Because Jesus adopted us. Nous ne sommes pas des Juifs. We are not Jewish. Nous ne sommes pas des gens d'Israël. We are not people from Israel. Nous ne sommes pas les gens qui étaient nés à Nazareth. We are not people who were born in Nazareth. Nous ne sommes pas des gens qui étaient nés à Bethléem. We are not born in Bethlehem. Mais je le crois. But I believe. Que je vis comme Bethléem. I'm living like Bethlehem. C'est la promesse que Dieu avait faite à Bethléem. The promise God has made to Bethlehem. I'm living with that promise. En moi. In me, il y a le sang du there chef. Is the blood of the chief. Je marche avec ce sang. I'm walking with that blood. Toute l'année qui va commencer. The year, all the year, which is going to start. C'est le sang du chef qui va agir. The blood of the chief will act. Alléluia. Amen. Souvent les gens frappent la poitrine. Nous terminons de cela. Often people they beat their chest. En disant que moi je suis issu d'une famille de chefs de chefs coutumiers. By saying I am from a family of je suis issu d'une famille de chefs. I'm from a I have a background of chiefs, of rich people. Mais laisse-moi te dire, but let me tell you, tant que tu n'es pas issu de la famille de Dieu, as long as you are not from the family of tu God, es un malheureux, you are a an unhappy man. Tu as le sang de ton père, because you have the blood of your father. Tu n'as pas le sang du chef, but you don't have the blood of the chief. Le chef de tous les chefs, the chief of all the chiefs. Le gouverneur de tous les gouvernements de la terre, is the governor of the all government of the earth. C'est Jésus. Is Jesus Christ. Voilà pourquoi vous voyez à la fin. That's what you are seeing at the end. Nous entrons dans Matthieu. We are reading Matthew. Les étrangers. Strangers. Vous savez quand on parle des Assyriens. When they are talking about Assyrians. Les gens de l'Irak là. People from Iraq. Qui au départ menaçaient tout Israël. From the beginning they were fighting Israel. Qui étaient des ennemis d'Israël. Who used to be the enemy of Israel. Les noms ont changé. Things has changed. Lors de la naissance du Seigneur. When the birth of the Lord happened. C'est sous des mages. Wise man. Vous savez d'où venaient ces mages. You know where those wise men came from. Ils venaient de ce côté-là. They came from that city. Irak. Syrie. Syria. Et ce sont ces gens. And those people. Qui étaient venus. Who came. Et en disant. By saying. Nous sommes venus chercher le roi qui vient de naître. We are looking for the king who is born. Et nous venons pour l'adorer. And we are coming to worship him. Nous venons pour se prosterner devant lui. We are coming to humble ourselves. Il est notre chef. He's our chief. Jésus n'est pas seulement le véritable chef des Juifs. Jesus is not actually the true chief. Mais il est le chef de tout le pays de la terre. He's the chief of the whole country of the earth. Il vit. Et son pouvoir and his power se manifeste jusqu'aux extrémités de la terre, comme la Bible. Till the extremity of the earth. La preuve en est que les mages, the wise men, sont venus. They came. Aujourd'hui, today, nous sommes ici. We are here. Il y a plusieurs nationalités. There was a lot of nationalities. Et laisse-moi te dire, let me tell you, que c'est la preuve that shows que Jésus, God, Jesus, est le roi des rois. Is the king of kings. Il est le chef de tous les chefs. Is the chief of all the chiefs. The governor de tous les gouvernements de la terre. Of the old government of earth. Gouvernement de the la terre. Government or all the government of earth. Si tu pars aux États-Unis, if you are going to USA, le gouvernement américain, the US est soumis America au gouverneur, is de toute la terre. Of all the earth, qui est Jésus Christ. Who is Jesus Christ. Et ce gouverneur, and this governor, vit dans tes veines, lives in your veins, vit dans tes entrailles, lives within you. Sois un homme fier. Be a pride man. Sache que le sang du chef,
You have to know the blood of the chief est dans tes veines. Is in your veins. C'est son circule en toi. This blood is circulating you. Et si tu marches avec cette pensée, and if you are walking with that thought, tout au long de l'année qui va commencer, for how the year which is going to start, je dis que tu réussiras. You will succeed. Parce que, because même si tu as des combats, even though you are fighting, son là criera. This blood gonna shout. Écoutez la Bible dit. Listen what the Bible says. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. They overcame because of the blood of the lamb. You are going to pray. Tu vas prier. You are going to pray.